Un raccourci du bouton démarrer, donc une démo sur Windows 7. Je vous fais voir un raccourci pour aller au plus vite. Au lieu de cliquer sur démarrer, panneau de configuration, et là, option d'alimentation qui se trouve là-dedans, voilà ici. Voilà, au lieu de passer par là, vous pouvez directement un clic droit sur le bouton démarrer, propriétés, et là, ici, dans le menu démarrer, vous avez ici directement. Voilà, et vous choisissez ici directement. Voilà, ça ira beaucoup plus vite. Et il y a bien entendu d'autres choses que vous pouvez ici personnaliser. Vous avez des choses ici. Si vous ne savez pas, vous ne touchez pas. Ici, je vous éventuellement, je... Voilà, là, c'est vous qui voyez. Confidentialité, stocker, afficher les programmes récemment. Moi, j'ai enlevé ça. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Vous avez barre des tâches, des choses ici que vous pouvez. Je vous conseille pour la barre des tâches ici de ne mettre, de mettre, pardon, ici sur ne jamais combiner. Voilà. La position de la barre des tâches, bah, c'est celle qui est en bas là. La position, si vous la voulez, en haut, à gauche ou à droite, c'est ici. Voilà. Personnaliser, vous avez ici aussi. Moi, je vous conseille de mettre ici toujours afficher les icônes et notifications sur la barre des tâches. Voilà. Tout ce que vous avez ici, y compris à droite, là, tout va être visible. Je ne trouve ça très stupide de cacher des choses parce qu'il va falloir cliquer dessus pour aller regarder. Mais pourquoi vous embêter à cliquer? Or, il est si simple de les laisser apparaître. Bref, là, c'est vous qui voyez. Voilà, donc cette vidéo, c'était pour vous faire montrer, surtout, clic droit, propriété, et vous avez directement ici action du bouton d'alimentation. Et voilà, c'était pas dur. Fallait-il encore le savoir?